things have not restocked Oops. Yet. We're not. But since we're fair, ça va long. Pourquoi je me vois pas? Ok. Je pense que c'est ça. Je suis capable de partager. Je suis pas capable. On le fera tantôt. Bon. Ça va finir par arriver. Bon matin, Lorraine. Bon matin, Chantal. Bon matin, Nathalie. Fait que on va commencer. Je vais tasser ça 2 secondes. On va commencer par la petite boîte que j'ai ici. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle une boîte événement. Donc, les boîtes événements vont être à toutes les semaines des produits que vous allez retrouver dans la démo d'aujourd'hui, mais il va y avoir des exclusivités dans les petites boîtes. Donc, dans cette petite boîte-ci, je vais vous montrer ce qu'il y a. Et il y a une exclusivité dans la boîte que vous ne pouvez pas avoir autrement que si vous achetez la boîte. Donc, on a un papier foil. Ça va être toutes des différents. Okay? À chaque boîte que j'ai, c'est un papier différent. Il y en a juste un. Il y a juste une feuille, mais la feuille, elle est très, très, très grande. Fait que vous avez vraiment une grande quantité de foil. Fait que, tu sais, pour faire votre design que je vais vous montrer, ben vous avez vraiment une bonne quantité. Je vais juste le replier parce que ça, c'est une boîte qu'on va mettre dans... ça, c'est une boîte à vendre. C'est pas pour moi. C'est pour vous autres. C'est pour quelqu'un. Il y a une quantité limitée de boîtes et dernière chose à propos de ça, c'est que c'est valide jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Donc, en plus d'être exclusif, c'est pour une durée. Il y a une quantité X et c'est exclusif jusqu'à 16 heures aujourd'hui. À 16 heures, ils débarquent. Ils ne seront plus disponibles. Vous avez aussi un petit glitter. Un petit pot de paillettes spécial. Et encore là, c'est des couleurs différentes dans chacun des kits. Okay? Ça, c'était les deux items qui sont différents. Fait que ça se peut que vous n'ayez pas cette feuille-là. Ça se peut que vous n'ayez pas cette couleur-là de glitter. Mais ça match tout. Okay? Tout va bien matcher ensemble. Dans tous les kits, il y a cette feuille de papier foil qui est le numéro 28. Et vous avez aussi, si vous avez déjà tous les autres items qu'il va y avoir dans la boîte, que vous les avez déjà, puis vous voulez juste acheter quelques items, les liens sont dans l'onglet Ongle Événement, la catégorie Ongle Événement dans la boutique en ligne. Donc, on a une feuille aussi du numéro 28. Je vais vous montrer la mienne parce que je ne veux pas toutes les ouvrir, mais regardez la longueur du papier que vous avez. Puis vous voyez que je l'ai utilisé déjà. Allô, allô! Bon matin, bon matin, bon matin! Bon, je viens d'apparaître, je vais pouvoir le partager. Je vais juste partager, je m'excuse, parce que tant que je ne reçois pas la notification, je ne peux pas partager parce que ça... C'est ça. Ici... Et je pense qu'il manque une autre place. Je vais continuer de vous montrer ce qu'il y a dans la petite boîte après. Celui-là ici. Et voilà. Donc, OK, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la petite boîte? Dans la petite boîte, il y a une plaque de stamping, le numéro 172, qu'on va utiliser pour notre déco aujourd'hui. OK. Il y a aussi une bouteille format régulier de foil transfer gel pour transférer nos papiers foil qu'on a. Et la dernière chose dans la petite boîte, c'est une exclusivité aux boîtes. J'en ai pas dans la boutique et j'en aurai pas dans la boutique. C'est vraiment exclusif pour les boîtes cadeaux, les boîtes événements. C'est des petites perles. Et pour aujourd'hui, vu que c'était
des poissons. Mais j'ai mis des étoiles de mer. Vous avez des or, des argent et des rose gold à l'intérieur de la petite boîte. Donc, la boîte, elle contient tout ça pour 25$. Et je vais rajouter une surprise dedans, mais je ne veux pas vous le dire c'est quoi. C'est vraiment une surprise. Fait que ça, vous allez le savoir quand... Si vous achetez la boîte à 25$, vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Vous allez avoir la surprise, OK? Fait que j'ai fait, c'est moi qui ai fait les boîtes, j'ai commandé des boîtes, c'est moi qui les ai faites, c'est moi qui les remplis. Tu sais, chaque boîte, c'est légèrement différent. Côté papier transfert foil, fait que ça se peut que vous ayez celui-là, ça se peut que vous ayez celui-là, ça se peut que vous ayez celui-là, ça se peut que vous ayez... Fait que, mais peu importe, tout le monde a ce papier-là. Tout le monde a ces petits trucs-là. Tout le monde a sa plaque de stamping numéro 172. Et tout le monde a un glitter à l'intérieur. J'en ai deux différents sur mon bureau, là, mais tout le monde en a un. Puis, voyez-vous, ils sont différents, mais ils sont pareils en même temps. Fait que c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas très grave que vous n'ayez pas exactement la même couleur. Bon, donc les boîtes sont 25$, quantité limitée et durée limitée. À 4h cet après-midi, je les enlève. À 4h01, il est trop tard, passez pas votre commande, il y en a, sont plus disponibles. Je suis plate de même aujourd'hui. Bon, je l'ai manqué. Coucou Hélène, t'as rien manqué, on est en live. OK. Fait qu'on part, on part, on part, on va faire 5 doigts. Je vais faire quelque chose de spécial sur deux, de très, très spécial sur deux doigts, puis les autres, vous allez voir. Bon, j'ai ma feuille, mon lampe. Puis je vais choisir mes petites paillettes. J'ai pris, tu sais, j'en avais deux sur mon bureau, j'ai pris le premier, OK? Ta boîte, ah! Mais tu pourras regarder, revoir le vidéo du début pour voir qu'est-ce qu'il y a exactement dedans. Donc ça, ici aussi, les petites paillettes comme ça, ils sont vendus en kit de 12 aussi. Si vous préférez acheter un kit de 12, puis n'oubliez pas que dans l'onglet « Ongle événement », vous avez tous les produits qui sont là, vous avez un 10% de rabais si vous écrivez le code promo EVENT, E-V-E-N-T. Je serais pas capable de l'ouvrir hein, sans faire de dégâts. Vas-tu être capable? Attendez, je vais me forcer. Je l'ai. Hein? Checkez ça comment c'est beau. Fait que ça, il y a 14 couleurs. Non, il y a 12 couleurs pour 14,99 ou si vous prenez la boîte événement, ben vous avez une couleur à l'intérieur qui vous est fournie. Fait que tu sais, des fois, on veut pas avoir 12 affaires. On veut pas avoir 12 000 affaires. On veut juste un petit... quelques trucs. Fait que ça vous permet aussi d'essayer, si vous connaissez pas le foil transfer gel Born Pretty, ça vous permet de l'essayer. La plaque de stamping, si vous l'aviez pas, vous allez voir qu'elle est pratique en titi. Puis on prend pas les images complètes, on va jouer à séparer nos images. Fait que vous allez voir. Allô Chantal! Donc, je vais juste regarder ma feuille pour être sûr que je me trompe pas qu'est-ce que je fais. OK, fait que j'en fais 3 mauves. Puis deux, 3 mauves complets, puis 2 dégradés. OK, parfait. Fait que je vais prendre ma pompe à poudre avec ma poudre OMG blanche à l'intérieur. Et je vais prendre aussi la poudre Chris Rio, la collection originale, le numéro 17. La poudre collection originale, elle est aussi dans l'onglet Ongle événement. Fait que vous avez un 10% de rabais si vous inscrivez votre code promo lorsque vous les achetez. Je vais juste me mettre un gant parce que moi, je fais une réaction au catalyseur quand il me touche la peau. Bon matin, Guette! J'ai-tu dit bonjour, Chantal? Je suis plus sûre. On va te le dire bonjour. Dans le doute, on en rajoute, c'est ce que je fais. Fait que je vais sortir ça. Puis je vais commencer par... On va dire ça, c'est mon petit doigt. Mon petit doigt, on fait un dégradé. Parfait. Il faut que je regarde mes notes parce que je ne m'en rappelle pas par cœur qu'est-ce que je fais. OK.
Fait que la pompe à poudre, elle vous permet de faire vraiment votre, votre blanc là, très, très fondu. Vous allez voir, quand on va faire la deuxième couche, il va apparaître plus, il va être plus apparent. Donc, je répète, la boîte événement, elle est disponible jusqu'à 16h aujourd'hui. On est jeudi le 19 mai et la boîte, elle est disponible jusqu'à 16h aujourd'hui. Ta pompe était... Oui, ma pompe est dans la boutique. Je pourrais la mettre dans l'onglet ongle événement, mais il faudrait que j'aille le changer comme là, là. Je pourrais vous donner un 10% de rabais dessus. Je pourrais être fine demain. Je le fais-tu? Ça vous tente-tu? Me donnez-vous 10 secondes après cet ongle-là pour que j'aille le mettre dedans? Je vais aller le mettre dedans. Et dans quoi? Je la trouve pas. La pompe à poudre est dans accessoire parce que c'est un accessoire. Mais je vais aller la mettre dans ongle événement. Je vais vous organiser ça. Donnez-moi 2 secondes. Puis je vais aller vous la mettre dans ongle événement. Je vais juste finir mon ongle. Là, j'ai mis mes 2 couleurs. Non, la boîte dans ongle événement. Oui, hein, ça va tellement bien, les pompes à poudre. OK, fait qu'on va se prendre un petit peu de gli-gli. OK. Tiens. Il est beau de même, je le tasse. Salut, est-ce qu'on peut faire acrylique avec ta poudre? Oui, tu peux. La poudre Chris Trio, c'est une poudre qui est une poudre 2 dans 1 qu'appelle. Fait que dip et acrylique. Fait que dip, c'est résine et poudre. Mais vous pouvez aussi utiliser pour gel et poudre. Fait que celles qui font gel et poudre, résine et poudre et acrylique, cette poudre, elle est merveilleuse. Elle se travaille super bien. J'ai plusieurs collections, mais ils sont pas vendus en collection parce que les couleurs sont... pas les couleurs, mais les quantités dans les collections sont bien trop grandes. La collection originale, vous avez 130 couleurs. La collection Glitter, il y en a 52. La collection Néon, il y en a juste 12. Et la collection Ombré, vous en avez 36 pour le moment. Fait que sont vraiment... vraiment, vraiment super belle. Il se travaille super bien. Puis, oui, acrylique, oui, dip powder, résine et poudre ou gel et poudre, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne super bien. Puis oui, ces glitters-là, ils fonctionnent avec du vernis gel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de poudre claire dedans. Fait que oui, tu peux le mettre avec n'importe quoi. Tu peux l'utiliser avec n'importe quelle méthode de travail. Fait que du gel, du vernis gel, whatever. Fait que le premier, il est fait. On va le laisser de côté pour qu'il se repose. OK, on va aller mettre tout de suite dans la boutique en ligne les pompes à poudre. Ce sera pas long, les filles. Donnez-moi 42 secondes que je... Article. Ce sera pas long. Pompe, P-O-M-P. Pompe à poudre. On va aller les mettre dans ongle événement. Voilà, sont là. Fait que les pompes à poudre aussi, je vous donne un rabais dessus. Et voilà. Voilà, c'est fait. Je fais pas d'acrylique, Angie. Je suis pas capable de tolérer l'odeur, mais j'ai déjà fait quelques fleurs en acrylique et je les ai faites avec ça, puis ça fonctionne super bien. Puis Chris Trio, la compagnie de Chris Trio, moi, si je pose une question puis ils me disent que ça fonctionne, c'est parce que je sais que ça fonctionne. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, ça fonctionne super bien. Mais je n'ai pas d'acrylique, je n'ai pas de monomère avec moi présentement, fait que je pourrais pas te montrer comment ça fonctionne, mais j'ai déjà fait des fleurs 3D avec, puis ça fonctionnait super bien.
Ah, ça me fait plaisir, Chantal. Bien, je suis généreuse. La raison pourquoi je suis généreuse avec vous autres, c'est parce que vous m'encouragez dans ma boutique. Ma boutique, là, c'est mon unique travail, hein. La boutique et la formation, c'est ça qui me fait, qui me permet de vivre. Donc, tu sais, c'est une manière pour moi de vous remercier, de vous donner des petits rabais quand je peux. Ça me fait vraiment plaisir de vous les donner parce que ça vient de mon cœur. Fait que je vous donne des choses, je vous donne ce que je suis capable de vous donner, bien sûr, mais ça vient toujours de mon cœur. Dites-vous que je le fais parce que ça me fait plaisir. Je me sens pas obligée de rien faire dans la vie. Les vidéos que je vous fais, l'ongle événement que je vous fais, ça me fait plaisir de le faire. Je donne aussi d'autres formations. Je donne mes cours du dimanche, que c'est différent. C'est d'autres affaires que je montre. Ici, c'est des choses quand même relativement simples, mais c'est des idées pour vous autres comment utiliser certains produits. Fait que... Les trucs, les astuces, c'est plus dans mon cours du dimanche que je le donne. Fait que je vais juste tasser mes choses. Le troisième, c'est sûr qu'il est mauve lui aussi. J'aime tellement ce mauve-là, le numéro 17, là, dans la collection originale. Bon, j'ai mis des glitters. C'est pas grave. Je vais aller le chercher. Je vais le mettre ici. Tain. Merci, bonsoir. On va le mettre sur mon ongle. Tu veux pas? OK, bye-bye. Si tu veux pas, on t'enlève. Oh, le gros. Il veut puis il veut pas en même temps. Garde-moi une boîte. Je vais passer une commande si je peux finir par la trouver. Là. Je vais te le montrer ou je vais vous le montrer, tout le monde. Checkez bien ça. Je vais finir mon nom, puis on va aller sur la boutique en ligne. Je vais vous montrer exactement elle est où la boîte. Puis c'est vraiment une photo de la boîte. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est la boîte. Allô, Annie? Je vais juste finir cet ongle-là, puis je vous montre ça. Mais je le montre à Nathalie, puis je vous le montre à vous autres en même temps. OK. OK. Mon téléphone n'est pas vite aujourd'hui. Ongle événement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que là, vous avez les items qui sont en spécial. Et où ma boîte? Oh ben tabarouette, t'as raison. Et où? Où c'est que je l'ai mis? Voyons. Ah ben t'as raison, je ne l'ai pas activé. Hein? C'est pour ça que ça ne marche pas. OK, on va aller dans les articles. Ah! L'événement, la boîte. Ah, elle n'est pas activée. Désolée. Je vous la remontre. Là, je l'ai activée. Excusez, c'est parce que je ne peux pas vous montrer certaines parties de mon site Internet. Fait que... OK, on repart. Excusez. Je peux bien vous parler de quelque chose, c'est impact. Ici, c'est la belle petite boîte événement. Fait que c'est ça ici. Excusez, je m'excuse, tantôt on ne le voyait pas. OK. Je ne pouvais bien pas le trouver, hein? Eh, Seigneur, pas facile d'être moi des fois. Donc, lui ici, on va le faire comme le petit doigt. On va y mettre les paillettes avec un dégradé. C'est quoi cette boîte? Ah, c'est une boîte surprise. J'en ai parlé au début du live. C'est qu'il y a certains items du live qu'on utilise aujourd'hui. Au lieu d'acheter le kit complet, vous avez juste qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, au lieu d'acheter 12 couleurs de paillettes, si tu n'en as pas besoin de 12, as-tu activé tes pompes à poudre? Oui, je suis supposée de l'avoir mis ça. Il me semble que je les ai, je l'ai fait, oui. Donc, au lieu d'acheter les 12 couleurs, vous en avez une qui est inclue dans votre kit, dans votre boîte. Vous avez
une plaque de stamping pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis vous avez un rouleau complet de foil, mais il va être différent, ils sont tous différents. Puis, vous allez avoir, ça c'est une exclusivité, il y a juste dans les boîtes, c'est des perles de couleurs différentes, puis vous en avez une quantité là, une grosse quantité. Et ce n'est pas en vente libre dans la boutique, vous avez pas, vous pouvez pas en acheter des comme ça déjà faites. Et à l'intérieur, vous avez aussi des étoiles de mer, vu que c'est ça qu'on va faire, un thème de la mer, il y a des étoiles de mer qui sont mélangées avec. Le code promo, c'est EVENT, E-V-E-N-T. Les codes promo, ils sont inscrits dans la description du vidéo. Si jamais vous l'oubliez, vous pouvez toujours aller voir la description du live. Les codes promo sont indiqués. Le lien pour la boutique en ligne est indiqué. Si vous avez de la difficulté à passer vos commandes, juste m'appeler ou m'écrire. Ça va me faire très plaisir de vous aider. Puis j'en ai qui ont de la difficulté à passer leur commande par le site Internet à l'occasion. À l'occasion, ça arrive. Inquiétez-vous pas. Si ça vous arrive, là, écrivez-moi ou appelez-moi. Pas pendant que je suis en live. Laissez-moi un message si je suis en live. Puis, il en reste presque plus dedans. Il va falloir que je la remplisse. OK. Puis, on va la passer ensemble, votre commande. Je vais la faire téléphonique. Il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. On peut-tu mettre certificat cadeau si on utilise... Non, c'est un ou l'autre. Mais vérifie qu'est-ce qui te donne un meilleur rendement. Qu'est-ce qui te donne le meilleur rabais des deux. On va juste passer ça ici. Oh, c'est pas beautiful. Juste de même, c'est beau. Mais, on va le pimper. C'est pas beautiful. So pretty like a cheerleader. OK, ça comme ça. On va remettre la poudre claire. On va laisser s'imbiber un petit peu. Merci, bonsoir. Thank you, good night. Un petit peu plus de poudre claire. Quand je mets mon polygel et cuit des fois, ça fait des trous où il n'y en a pas. Pourquoi ça fait? Je vérifie quand c'est... Oui, ça peut arriver des fois. Si tu as brassé ton produit, ça peut faire des bulles. S'il reste quelque chose sur ton ongle, des fois, une des choses que souvent je remarque, c'est que les gens, quand ils ont fini d'appliquer, ils vont passer leur doigt pour checker si l'ongle est lisse ou pas. Votre doigt, il y a du sébum. Fait que vous venez d'étendre du gras sur votre doigt. Fait que c'est sûr que si vous mettez la finition, le gel puis le gras, c'est pas des amis. C'est comme l'eau puis l'eau puis l'huile, ça se mélange pas, OK? C'est le même principe. Fait que si vous faites ça, vous venez de comme... de tout graisser votre ongle. C'est dégueulasse comment je le dis, mais de... Tu sais, ça peut être une réaction chimique à cause de ça. Peut-être que tu n'en as pas mis assez. Moi, j'aime bien quand je passe mon top coat, je l'applique puis je le repasse, je le regarde travailler, je le regarde s'auto-niveler. Si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, je vais repasser mon pinceau. C'est pour ça que vous me voyez souvent passer plusieurs coups de pinceau en même place. C'est pour être sûr qu'il est lisse puis qu'il est droit, qu'il en a suffisamment épais. Puis comme ça, ben, je suis sûre que ça ne fera pas de trous dans... Parce que je sais c'est quoi tu veux dire... Nathalie. Puis souvent, quand il en reste moins dedans, des fois, il y a des bulles. On l'a brassé, on l'a échappé ou whatever, puis ça peut créer des bulles. Fait que... Brasser, mais rouler. Pas brasser. Faites juste rouler votre produit. C'est moins de chances de faire des bulles. C'est quand je dis rouler, là, c'est ça. C'est comme ça.
ça, ça fait pas des bulles. Quand on fait ça, ça, ça fait des bulles. Surtout si vous faites comme ça, là, là, vous faites des bulles. Plus de chances d'avoir des bubbles. J'allais pas raser. Hein, c'est ça. Tu as mis des bulles dedans. Tu sais, il faut le mélanger, mais il faut pas le brasser. Ça, c'est-tu plus clair comme explication? Faut les mélanger, mais il faut pas les secouer. C'est sûr, c'est plus facile quand votre pot est rond à rouler entre vos doigts. OK. Parfait. Fait que si mon explication est claire, si c'est clair, c'est clair. Si c'est clair, c'est pas clair. Bien, le dernier il est fait. On va juste le pitch-pitcher. Voilà. Je vais le mettre là 2 secondes. Je vais vous remontrer le numéro de la couleur pour ça qui serait intéressant. Vous avez le format 2/11 qui est le format que j'ai entre les mains. Et il y a aussi le format demi-once. Demi-once, c'est moi qui les fabrique. Donc, je prends de mon gros pot et je le transvide dans un plus petit pot. J'en ai sur un proche. Je pense que c'est ouais. Non, c'est pas un pot. Attends, je vais vous montrer. Et voilà. Ça, c'est une demi-once et ça, c'est un 2/11. Ici, ça, c'est un gros pot. Là. Il est épais, la vitre est épaisse. Là. Il a de l'air vraiment immense, là, mais c'est pas. Fait que ça, ici, c'est une demi-once et ça, c'est un 2/11. Si vous en voulez juste pour l'essayer, vous pouvez avoir une demi-once. OK. Je vais juste enlever la poudre du bureau. C'est pas de la poussière, c'est de la poudre. Je vais enlever mon gant, j'ai chaud. Et je vais emmener mes ongles devant moi. Donc, ici, on passe, c'est le pouce, l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Hein? Au cas quelqu'un ne saurait pas c'est qui l'auriculaire. Ça arrive. Je vais passer ma lime électrique dessus. Donc, ma lime électrique, je vais vous la remontrer. Quand je l'allume, ça me dit mon power, il est à combien? Je suis à 94%. Fait que j'ai pas besoin encore de la charger. Puis je l'ai depuis le mois de mars. Donc, ça fait longtemps, là. Ça fait plus qu'un mois que je l'utilise. J'aime bien limer... faire à neuf, mais j'aime mieux aller sur le reverse. Fait que j'ai changé de sens ma direction de ma lime. Et je vais pas jusqu'au bout parce que le reverse s'en va par là. Fait que si je vais jusqu'au bout, il va comme ce qu'on appelle skipper. Sont vraiment belles, les bouts de cristaux. Oui, vraiment. Ils fonctionnent super bien. Honnêtement, là. Ils sont fines, fines. Vous pouvez les travailler en boulette. Vous pouvez les travailler en acrylique. Ils sont magiques. Ils sont vraiment belles. Ils sont bonnes. Puis je les aime. Je suis en amour avec mes bouts de cristaux. Ça fait 3 ans que je les utilise. J'ai jamais eu de problème. La couleur est constante, elle est toujours la même. Tu sais, j'adore. Tu trouves un pot, là, ben c'est toujours la même couleur dans le pot. Là. C'est pas une nouvelle couleur. Parce qu'il y a certaines marques que j'ai déjà vues que la couleur n'était pas constante d'une shot à l'autre. Fait que c'est plate quand tu achètes ça, là. Quand t'aimes une couleur, tu veux la revoir. En tout cas, habituellement, quand tu la rachètes, c'est parce que tu veux la revoir. Donc, les lignes électriques sont dans la boutique en ligne au montant de 109,95 $. Lorsque vous passez les commandes en haut de 100 $, j'ai un coupon rabais qui est écrit, qui est promo, qui vous donne 10 $ de rabais.
sur vos commandes. Fait qu'elle vous revient à 99,95 si vous l'utilisez. Toi aussi, tu les adores, hein? Mais c'est ça, tous les produits Chris Trio, c'est vraiment... J'ai pas grand-chose que j'ai pas aimé Chris Trio. Le seul produit que j'ai eu un peu de misère avec, c'est le Foil Transfer Gel de Chris Trio. Pourquoi? Parce qu'il est très, très, très capricieux. C'est-à-dire que le Foil Transfer Gel de Chris Trio, là, il est... Si tu le cuis pas assez longtemps, si tu le cuis trop longtemps, si t'en mets pas assez épais, si... Puis il est bon juste un an, 12 mois. Fait que si t'as pas passé au travers, ben il est plus bon. Quel est ton embout préféré pour les cuticules? Ben, j'aime beaucoup la pointe à cuticule, je vais vous la montrer. Mais là-dessus, je le fais pas parce que... Pas besoin, hein, c'est pas un être humain. Mais mon embout à cuticule, là, c'est il est ici. Celui-là, la pointe à cuticule. Puis regardez, elle est comme toute travaillée. Elle est vraiment cool, cet embout-là. J'en ai dans la boutique. Ça, c'est le grain fin, mais j'ai aussi le grain moyen, si vous préférez le grain moyen. Il va vraiment bien, puis elle est vraiment pas super chère. Elle est genre comme, je pense qu'elle est 8$, cette pointe-là. Ça me fait plaisir, Kim. Le Vinolisa aussi va super bien. Le Born Pretty puis le Vinolisa dans le Full Transfer Gel, là, honnêtement, sont sacré une coche. Okay? C'est les meilleurs jusqu'à date que j'ai essayé. Là. Ils vont vraiment bien. Je les aime beaucoup. Puis, tu sais, à tous les coups, je manque jamais ma shot. Moi, j'ai pas été capable de travailler avec le transfert gel Chris Trio. Oui, c'est ça. Il était très dur à travailler. Fait que je ne l'ai plus dans la boutique pour cette raison-là. Parce qu'il était trop dur à travailler, puis il était capricieux, puis s'il y avait trop chaud, puis s'il y avait trop froid, puis... Non. Regarde, j'ai pas le temps de commencer à vérifier, prendre sa température comme un enfant le matin, là, non. Avant de passer une cliente, vous voulez pas commencer à vous poser la question, il va-tu bien aller, mal aller? Fait que... Moi, quand ça fonctionne pas bien, ben je l'enlève de la boutique. Je suis pas fine, hein, mais c'est ça que je fais. Fait que les produits que j'aime pas travailler avec... ou qui fonctionne mal, ne se retrouve pas dans ma boutique en ligne. Puis ceux que, tu sais, des fois, c'est pas moi qui ai de la difficulté avec. Des fois, c'est vu que je suis habituée, moi, ça va bien, mais, tu sais, j'essaye de pas vous mettre des choses qui sont difficiles à utiliser. J'essaye de vous trouver des produits qui vous rendent la vie facile et non la vie difficile. Beautiful. OK, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça, on l'enlève. Je vais juste enlever la poussière encore une fois parce que là, on commence la déco. Puis on veut pas de poussière. Fait qu'en même temps, on va nettoyer nos ongles pour s'assurer que ceux-ci restent propres. Fait que c'est un tampon avec de l'alcool seulement dessus. Mais non, il n'y a jamais de problème avec le Foil Transfer Gel Born Pretty. Il est vraiment, pis c'est lui que j'ai mis dans la boîte. Fait que dans votre boîte événement, c'est le Born Pretty que j'ai mis dedans. Fait que vous n'aurez pas de problème avec vos décos. OK, fait que... Attendez. Je vais juste tasser ça pour me faire un peu de place sur le bout de mon bureau. Je te confirme que les vernis... Jelly Stampers sont débiles tellement ils vont... Ah, je sais, c'est fou, là, c'est la vie, ces vernis-là, là. C'est... Je vous dirais, là, que j'ai un gros coup de cœur pour Clear Jelly Stamper. C'est vraiment, là, gros coup de cœur. OK. Donc, sont-ils placés en ordre? Ça serait le petit doigt. OK, c'est beau. Donc, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Ces deux-là, le pouce et l'annulaire, on va leur mettre du foil. Fait qu'on va commencer par le foil transfer gel, OK? Fait qu'on en met
une couche suffisante. Là, moi, j'ai passé un bloc dessus. Mais en temps normal, passez pas le bloc. Faites juste limer avec le grinçant, maximum 150, et on applique notre foil transfer gel. Mais je veux pas un transfert parfait, fait que c'est pas très grave. Je commence à être popée pour superposer les images. Yes! Ah, tu vas voir, c'est deux, trois pratiques, là, puis tu vas finir par trouver là, exactement la manière de faire pour que ça fonctionne pour toi super bien. OK, fait que j'ai mis mon foil transfer gel sur mes deux ongles, puis je les envoie une minute dans... Je voulais juste vérifier que c'était vraiment une minute. Une minute dans la lampe LED. Je le mets pas trop loin parce que je vais superposer du foil aujourd'hui. OK? Fait que la première étape, c'est que je vais prendre le foil numéro 28. Vous l'avez dans la petite boîte événement aujourd'hui. Fait partie de votre boîte événement. Puis je vais aller me chercher un morceau, n'importe quel. Je vais prendre le bout que j'ai déjà commencé à utiliser. Voyez-vous que je veux pas un transfert parfait. J'en veux partout, mais je veux pas qu'il soit égal partout parce que je veux mettre un peu de couleur comme arc-en-ciel, fuel, whatever. Partout sur mon ongle. Bien, dans le fond, sur mes deux ongles. Bon, on se prend une gorgée de café, tout le monde. Tchin-tchin. Mon café est en train de refroidir. J'avais oublié que je l'avais amené. Il reste 5 secondes. Fait que dans 5 secondes, on va pouvoir étamper notre papier. Et voilà. Donc, je commence par l'appliquer partout. Puis je l'enlève. Puis là, je vais commencer à y mettre la couleur un peu partout. Ben, je veux vraiment que ça fasse métallique, mais pas une couleur pleine. Je veux pas une couleur pleine. Fait que je me suis pas forcée pour que ça fasse une couleur pleine, mais pas du tout. C'est pas ça que je veux. Fait que mon premier, il est métallisé. On voit encore l'effet que c'est mauve en dessous. C'est ça que je veux. Je veux garder l'effet du mauve en dessous. Voyez-vous que j'ai pris une partie où il n'y en a pas beaucoup? Ben, du mauve un petit peu. Puis mon turquoise ici. Fait que je veux vraiment que ça soit, tu sais, on le voit là, c'est métallisé, mais c'est pas un morceau complet, OK? Pourquoi on doit mettre la couleur avant le foil? On peut pas mettre direct sur l'ongle? Ben c'est parce que les places où il y a pas de foil, comme ça, tu vas voir l'ongle naturel. Tandis que là, en mettant le mauve en dessous, bien, le mauve sur le dessus ressort plus. OK? Ensuite, on s'en va travailler avec notre plaque de stamping qu'on a dans notre petite boîte. Le numéro 172. Vous pouvez l'acheter à l'unité. Je les ai mis aussi que vous pouvez, si vous avez juste besoin de la plaque de stamping parce que vous avez les autres items, vous pouvez l'acheter tout seul. Donc, on va prendre notre grattoir, notre tampon. Puis je vais juste nettoyer mon tampon, mais je vais changer ma feuille. Fait que Clear Jelly Stamper, ils ont des pads comme ça, des sticky pads. Fait qu'ils t'enlèvent ta feuille quand elle est bien, bien sale, comme la mienne était vraiment sale. Et là, je peux nettoyer pour être sûr qu'il est très, très propre. Et là, je vais faire quelques designs. Je vais prendre quelques designs. Vous pouvez choisir n'importe quel là-dessus. Moi, je veux quelque chose pas trop. Je veux pas trop de. OK. Ça, c'est correct. Ça, j'en veux pas. Fait que je vais l'enlever. Fait que ce que je veux pas avoir comme transfert, je vais l'enlever. Fait que j'ai cette partie-là. Fait que je vais commencer par ça. T'sais, même s'il n'est pas parfait, là, c'est pas grave. No panique. On l'essuie, on prend un tampon avec de l'acétone pour nettoyer notre plaque.
Et là, je vais prendre cette partie-là que je veux. Ça, c'est non. Non. Puis non. Puis là, je vais regarder sur mon ongle. Ah oui, comme ça. Voyez-vous que ça vient de me faire un design vraiment cool? Ça a pris 3 secondes. On pourrait le laisser comme ça, là. Ça pourrait arrêter ici, là. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux continuer mon design. Je vais vouloir rajouter autre chose par-dessus. Entre chaque fois que je l'utilise, je le nettoie sur mon sticky pad. Bon, pour celui-là ici, je vais prendre cette portion-là. Fait que je vais venir chercher encore une fois. Puis je choisis où ce que je vais le mettre sur mon... Oh, ça fait vraiment beau. Alors, nettoie. On repasse notre tampon d'alcool. Puis là, je vais vouloir cette partie-là pour le haut ici. Le blanc, c'est du vernis à stamping. Ça, c'est trop foncé, tiens. Fait que j'enlève pour être sûre que j'accroche pas avec une partie que je voudrais pas. Tiens, il en manque un petit morceau, tiens, ici. OK. Mon stamping, yep, bon, c'est tombé. J'en ai plus besoin. Bon, c'est pas grave. Fait que je vais juste nettoyer mes choses avant de les ranger. Fait que je vais nettoyer mon grattoir avec mon acétone. Salut, Mélissa! Je nettoie ma plaque de stamping comme il faut. C'est important avant de la remettre dans son petit sachet. Moi, je suis maniaque. Je vais même prendre de l'alcool. Avez-vous entendu le bruit que ça fait? C'est squeaky clean. Ça squeak tellement c'est propre. OK, fait que ça, c'est propre. Je peux le remettre dans mon sachet pour garder ma plaque. Caresse belle. Celui-ci, ben, je le rangerai tantôt parce que j'ai échappé. j'ai échappé mon tampon à terre dans ma pièce, mais c'est pas grave, je vais le ramasser après. Il est tombé à terre. Si on peut le ranger aussi, j'en ai plus de besoin. Et mon stickipad, j'en ai plus de besoin. Donc, pour protéger mon travail, je vais mettre du Speed Builder Gel. J'adore le stamping, c'est simple, c'est beau, ça rajoute un petit quelque chose de plus à une belle couleur. Vraiment. Vraiment. Puis sur du métallique, je trouve que ça ressort 100 fois plus. Fait que je vais juste mettre une couche de Speed Builder Gel, un pour protéger mon foil, deux pour protéger mon stamping. Et une mince couche. Je ne veux pas que ça soit trop épais. Je ne veux pas que ça fasse un ongle épais. Je veux juste qu'il soit protégé, qu'il ne va pas s'écailler. Donc, on peut laisser juste 30 secondes dans la lampe. Cette étape-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va remettre sur le même ongle encore du foil transfer gel, mais je vais me prendre une feuille. Je vais prendre, tiens, celle-là ici. Et je vais aller me choisir des petits poissons pour aller sur mes ongles. Fait que vous pouvez choisir n'importe quel.
Moi, j'aime bien les découper. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis sûre qu'il va avoir exactement ce que je veux dessus. Fait que j'ai besoin de 4 poissons. Fait que je vais prendre lui. 1. 2. Il y en a un ici, on va prendre lui. Je veux pas la pieuvre, ça me tente pas. Ça aurait pu me tenter, mais là, elle me tente pas. 3. Puis je vais prendre enfin, celui-là. Ça va faire 4. Il est cute. Il va bien ressortir sur du mauve. Oui, il y a des bulles aussi sur mon papier. Mais ils ont toutes des bulles. Ils ont toutes des bébites. Pas des bébites, mais des poissons. Ils ont toutes des affaires le fun dessus. Fait que, tu sais, peu importe la boîte que vous allez recevoir, vous allez avoir des poissons. Vous allez avoir... des glitters comme ça, vous allez avoir plein de choses. Votre petite boîte, là, est vraiment cool, la boîte pour l'événement. Puis comme je vous dis, vous allez avoir aussi les perles avec des... voyons, je vais-tu le dire? Oh, j'ai le cerveau pas à bonne place. Des perles avec des étoiles de mer. Bon! Puis les étoiles de mer, vous avez or, argent, puis rose gold. Vous en avez 2 de chaque. Fait que c'est pas grand-chose, mais c'est un petit... Si vous voulez les avoir aussi, il y a des paquets de 25 pour les étoiles de mer. Vous avez les 3 couleurs qui sont disponibles. Fait que, tu sais, en même temps, ça vous fait essayer des produits que vous auriez peut-être pas jamais achetés. Donc, on remet notre foil transfer gel partout. Parce qu'on va superposer notre image. Puis vu que notre surface en dessous, elle est gommante, mettez-en pas trop épais, sinon ça va pas pogner. C'est déjà gommant. Fait qu'on va mettre notre... Ah, c'est tellement beau celui-là, là. Dans le bas, ça a comme super... Ça, avec le métallique en dessous, là, ça a super bien sorti. Ça fait vraiment beau. OK. Fait que là, j'en aurais plus de besoin de mon foil transfer gel. On peut le ranger. Puis, je vais prendre une pince avec un petit truc pour frotter. Vous avez le choix entre la rose ou la noire dans ma boutique en ligne. Ils sont 4,99 si jamais vous en avez besoin. Ça va vraiment bien aussi pour toutes vos autocollants quand vous voulez les détacher d'une feuille. Il y a une boule de quelque chose dessus. Une saleté. Une cochonnerie. Putain. Il va y arriver, moi, l'enlever. Voilà. Donc, quand vous voulez ramasser des autocollants, ça va super bien. Même si vous voulez prendre des petits bijoux, là, tout petits, pour juste sélectionner ceux que vous voulez, là, ça va super bien aussi. OK. Fait que mes petits poissons vont pouvoir venir se coller sur... Fait que lui ici il est plus grand, fait qu'on va le mettre dans le haut, comme ça. Faites attention parce que la partie où il n'y en a pas, ça colle, hein, s'il vous plaît. Puis on va y mettre un petit bébé dans le bas ici. Fait que je vais venir frotter. Pourquoi qu'il colle pas? Tu me niaises-tu? Pourquoi qu'il veut pas coller? Je l'ai-tu fait cuire assez longtemps? Juste le remettre dedans, il veut pas cuire. Ça arrive. Puis moi, ça me dérange pas. Si ça arrive, là, je vais juste le recommencer. Là, je l'ai remis à cuire un petit peu dans ma... Il est où son œil? Ah, il est là. Fait qu'il va comme ça. Puis lui, il va comme ça. OK. On va faire lui pendant que l'autre, il est encore dans la lampe. Oui, il colle.
tu me feras pas mentir de dire que ça va bien puis que ça va pas bien à matin. Hein? Tu vas-tu me faire ça, mon petit poisson? Non, va te pitcher dans la rivière. Dans la rivière des Méliles, tu vas voir que c'est pas propre, tu resteras pas là longtemps. Tu vas mourir, tu vas tomber jusque dans le fond. Et pas full propre, je boirais pas l'eau de la rivière des Méliles. Ouf! Surtout pas avec l'usine d'épuration à côté de chez nous. Arc! Lui, il veut pas tout coller. Mais il colle plus que l'autre qui voulait coller. Fait que je prends mon ongle puis je gratte. Fait que je vais doucement. Il va donc bien mal à matin, mon papier foil. Pourquoi tu vas mal comme ça? Ah, OK. Fait qu'il y a colis. Faut juste être patient. Faut croire. C'est pas une qualité que j'ai toujours. Peut-être à cause du builder gel, ça fait... Non, pourtant, je fais ça quand même régulièrement. C'est juste la queue qui ne veut pas coller. Comme si je n'avais pas mis de foil transfer gel. Ben, c'est pas si pire. OK. Il n'est pas si pire, fait qu'on va le laisser de même. Puis lui ici. Lui, il recuit une minute avec le papier par-dessus, là. En principe, il est supposé d'avoir collé. Ah ah, pas mal plus. Non, il ne veut rien savoir. Lui, il n'a pas bien collé. Lui, as-tu bien collé? S'il n'a pas bien collé, vous allez voir ce que je vais faire. OK. Ils n'ont pas bien collé. On est sur du builder gel. Quand on n'est pas sur le dessin, on a protégé tout ce qu'il y a en dessous, c'est tout protégé. On est sur une couche de builder gel. D'alcool. Puis l'alcool, ça dissout votre papier foil. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre d'alcool sur le papier foil, sinon votre papier foil, il va dissoudre. OK. On va remettre du foil transfer gel sur lui. C'est pas grave. It's not been grave. Hein? On recommence. Prise 2. OK. Je vais juste m'assurer qu'il est égal partout. Ma ligne de lumière est belle. OK. On recommence. C'est pas plus grave que ça. Hein, on va prendre, je sais pas quelle feuille j'étais. Ah, celle-là. On va reprendre deux poissons. Je vais prendre lui pour mon gros poisson. Puis je vais prendre lui pour mon petit poisson. Ah, c'est le même que l'autre. Attends, on va en trouver un autre. On va prendre... Ah, le petit bleu ici va être cute. Deux poissons. Alors ça se peut que ça soit le builder gel, mais d'habitude, j'ai pas de misère avec mon builder gel. Puis lui, ici, on pourrait y en remettre un autre couche de builder gel, protéger nos petits poissons. Ton œil, il va par là. Il est où ton œil? Il est là. OK, fait que lui, il va là. Ah, ça a super bien collé, je l'ai senti. Et mon poisson qui nage vers le bas. Tiens, oups, et ça colle là. Dans cette shot-là, s'il n'a pas collé, on a un sérieux problème parce que mes doigts, eux autres, ils collent sur le sur l'ongle très, très bien. Ah oui, colle la petite bouche. Je veux que sa bouche, elle reste là parce que c'est ça qui est cute. Hey! Colle, 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 colle. Bien, de 1.
et de 2. Fait que j'ai mes deux Namis. Et on va juste remettre une petite couche de Speed Builder Gel pour le protéger. Tiens, it's so pretty, like a cheerleader. Ça n'a pas l'air facile. Mais habituellement, ça va super bien le foil. C'est juste que là, le matin, il ne veut pas, mais habituellement, je n'ai pas trop de misère avec mon foil. C'est plutôt rare que j'ai de la misère, mais des fois, c'est capricieux. Ça dépend. OK. Lui ici, puis lui ici, on va les laisser comme ça, fait qu'on y touche pas. On est rendu à lui ici qu'on va y mettre des bijoux. Donc, je vais me sortir un triangle. À l'intérieur de mon triangle, je vais mettre... Je vais aller me chercher d'autres bijoux de plage. Fait que je vais prendre... on va prendre lui ici. Un comme ça, un coquillage comme ça, puis un coquillage comme ça. Puis je vais me prendre quelques petits bijoux de Swarovski, mais pas grand-chose. Tiens, juste ça. J'ai rarement de la misère avec mon foil, ça va très bien. Oui, ça va bien. Habituellement, le foil, c'est juste un matin. Il faut croire qu'il veut pas. OK. Puis là, je vais me prendre dessus. Je vais m'assurer d'avoir au moins une étoile de mer. Attends, il y en a deux. J'ai la rose gold qui est sortie avec la gold. C'est parfait. Puis je vais mettre des perles. S'il y a des couleurs que je veux plus là-dedans. OK. J'ai-tu besoin du gel adhésif à matin? Oui, pour les bijoux en or, je suis mieux de les mettre avec le gel adhésif. OK. Une étoile de mer. Faudrait peut-être j'en mettre plus. Ça irait mieux. Juste une petite bite de plus. Et voilà. Une étoile de mer. Un coquillage. Un autre coquillage. OK. On va juste les faire que j'ai 10 secondes. Oh, checkez ça comment c'est beau. C'est fou le beau. Ça, j'en ai plus besoin. Puis je vais sortir ma colle précision. Yeah. Ne pas tomber. OK. Petit bébé perle ici. Une plus grosse mauve ici. Jaune ou orange. Ah, oh, peut-être celle-là. Ici. Ah, oh, c'est cute. Ça, c'est quelle couleur? Mauve. Ah, il est. Et ouais, ma tante.
une ici. Ah oui. Ici, j'ai quoi d'autre? Un ici, comme ça. Un autre ici. Qu'est-ce que... Oh, j'en ai un autre. J'en ai deux autres, ok. Je vais mettre un autre ici. Puis je vais en mettre un autre de ici. Bleu, je vais le mettre ici comme ça, tasse l'autre, comme ça. Ok, ça on va le faire cuire, et on va rajouter des caviar. Ok, ça, on remet le petit capuchon. Caviar, j'ai sorti argent, mais j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'or. Et j'ai besoin de mon petit pinceau comme ça, puis je vais mettre... Allô, Anne! Je vais mettre une goutte de mon... ma colle précision dans le fond de mon petit plateau. Puis je vais prendre mes caviars. Là, j'ai un mélange or et argent parce que j'ai eu un petit dégât. Fait que pour ne pas les jeter, j'ai décidé de les garder et les utiliser pareil. Fait que j'en ai mis dans mon petit plateau et là, j'ai du gel de précision au centre. Fait que même s'il y en a qui roulent, dans pas longtemps, ils vont tous être ensemble. Je vais toutes réussir à les avoir et à les mettre toutes ensemble. Il en reste deux, trois qui sont lousses et qui n'ont pas de gel dessus, là, mais je vais toutes les avoir. Tiens. Ils vont tous être à même place. Voilà, il en reste un. Merci, bonsoir. Ils ont tous du gel de précision dessus maintenant. Oui, on part. Fait que là, j'ai des or et des argent parce que là, ben, je suis pas capable de les séparer puis ça me tente pas non plus de me casser le bessic à séparer ça. Fait que je les mets où ça me tente, où ce que je sens que ça va être beau puis je regarde pas quelle couleur que je sors. C'est ça qui, tu sais, ça sort puis c'est là que ça s'en va. Comme ça. Ça, c'est trop ici. On va en mettre, ici. Ça c'est beau. Ça comme ça. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Comme ça. Oups. Comme ça. Ici. Comme ça. Un petit peu. Deeper. Come on. Ouais, comme ça. On va mettre un petit peu ici encore. Une en haut ici. Juste en haut. Ouais. Puis un en bas. Excusez, je le parle, hein? En plus, je veux qu'il m'écoute. Comme ça. Il n'en reste pas beaucoup, fait que je vais essayer de trouver une maison. Un petit espace que ça serait cute. Deux là. Un petit peu ici comme ça. De ce bord-là. Comme ça.
OK, j'en ai mis un petit peu partout. C'est cute, ça fait comme un petit plus. Fait que, let's go. Dans lampe LED. Il y en a-tu qui veulent revoir c'est quoi qu'il y a dans la boîte événement? Est-ce que ça vous tente que je vous le remonte pendant que c'est dans la lampe LED? Oui, parfait. OK. Donc, dans la boîte événement, la boîte est 25 $. Vous avez une surprise qui n'est pas affichée parce que je veux que ça reste une surprise. Vous allez le voir si vous le commandez. Je veux pas le dire. C'est une surprise. Hein? C'est assez clair. Donc, vous avez la plaque de stamping numéro 172, celle que j'ai utilisée ce matin. Le papier numéro 28, qui est le papier, celui-là ici, que j'ai mis en dessous de mes poissons. Donc, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai étampé du blanc avec ça. Puis après ça, j'ai mis mon stamping avec des poissons. Chaque feuille est différente dans chacune des boîtes. Il n'y a personne qui a la même feuille. OK? Je m'excuse, mais c'est comme ça. Chaque boîte a un petit glitter. Et chacun est différent dans sa boîte. OK? Ça se peut que vous ayez lui, ça se peut que vous en ayez un autre. Tout le monde a un Foil Transfer Gel Born Pretty. Et tout le monde a une petite boîte avec des perles, deux étoiles de mer or, deux étoiles de mer argent et deux étoiles de mer rose gold mélangées dans le paquet. Il faut juste que vous les cherchiez. Ils sont en quelque part dedans, mais ils en ont toutes. Puis, ouais, c'est ça. Puis, une surprise que je rajoute, que je voulais pas vous montrer parce que c'est vraiment une surprise. Fait que je vais pas le dire. C'est quoi la surprise? Parce que, guess what? C'est une surprise. Fait que vous recevez dans votre colis une boîte comme ça, qui est votre boîte événement pour aujourd'hui. Et il reste uniquement à mettre notre finition LED. Donc, je vais mettre mon polychaîne. Je fais-tu lui le pouce ou je fais lui comme pour le pouce? Ah, je fais lui comme pour le pouce, OK. Plus je suis difficile, ça va pas bien, hein? Fait que lui, ça va être mon pouce. Fait que comme je vous disais tantôt, j'ai pas trop brassé ma bouteille, mais elle a un peu tombé à terre. Fait que là, je fais juste m'assurer que j'ai pas créé de bulle dans mon design. OK, c'est beau. Ça peut aller dans lampe LED. Puis, je vais mettre... Ah, tu l'as commandé! Oui, tu vas le savoir, c'est quoi? Tu verras bien c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de la boîte que je ne vais pas vous dire. Je vais reprendre mon pinceau et une palette. Je vais juste faire le tour des bijoux avec mon pinceau en premier. Je peux en mettre, vu que c'est lustré, je peux en mettre sur ce qui est métallique. Donc, tu sais, tous les trucs qui sont métalliques. J'en mets pas épais, je fais juste passer vite, vite dessus. Je peux en mettre par-dessus mon caviar, il n'y a pas de problème. Mais par-dessus les Swarovski, il n'y en a pas grand-chose, mais il y en a quand même un petit peu. Ben, j'en mets pas. Juste le tour, vite, vite, vite. Merci, bonsoir.
Tiens, c'est beau dans la lampe. On continue. Puis je vais prendre une belle photo, vous allez les voir. Bien, je vais vous les montrer de proche, mais je vais prendre aussi une photo. Le boîtier, oui, le boîtier complet, il est dans l'événement. C'est le S29, le boîtier avec tous les poissons à l'intérieur, c'est le S29. Mais vous pourriez le faire avec d'autres choses que des poissons, si vous voulez faire d'autres choses. Vous pourriez mettre des fruits, vous pourriez mettre des fleurs, mais moi, je trouvais que ça faisait été puis festif de mettre le boîtier S29. De mettre les poissons. Vous avez des poissons, vous avez des dauphins, vous avez des requins, vous avez de tout. La vie marine, finalement. Under the sea. C'est le même que je l'aurais baptisé si j'y avais donné un nom. Si j'aurais dû y donner un nom au lieu d'y donner un numéro, mais bon. J'ai pris le numéro de mon fournisseur et non choisir un nom. Et j'aurais pu. Puis je pourrais encore le changer. C'est encore possible. It's still possible. Ça fait 3 fois que je commande ce boîtier-là. Il est super populaire. Donc, ça serait l'angle du milieu. Ça, puis ça. OK. Fait que je vais vous les approcher pour que vous voyez la pose comme il faut. Puis je vais vous décrocher ici pour vous les montrer avec la lumière. Comme il faut. Ah ouais, focus! Pourquoi qu'il ne veut pas vous les montrer comme du monde? Il ne veut pas focusser. Fait que voilà le résultat. Mais je trouve ça plate parce qu'on dirait que le focus ne se fait pas super bien, mais... Pas si pire. Voilà! Fait que l'ongle événement d'aujourd'hui avec la nouvelle boîte cadeau! Fait que je vous souhaite une super belle journée et on se revoit je ne sais pas quand. À bientôt! Bye bye!